Et voilà, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Kite One. Je sais que ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais là je compte bien m'y remettre bien à fond. Comme beaucoup, bah je sais pas, ceux qui sont dans le groupe Minecraftien savent, j'ai fini le sol de la nef centrale, donc on va pouvoir attaquer le reste. Déjà, avant tout, tiens, je vais m'amuser un peu, il y a du monstre. Non, on va pas s'amuser. Oh, il y a un truc creeper, un squelette, on s'en fout, je suis en créatif. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bah finalement j'ai pas fait tout en avance rapide parce que ça aurait été trop long. Donc ce que j'ai gardé c'est l'avance rapide du second quart que j'avais commencé à tourner du sol. Et j'ai fini les deux autres quarts en comment dire en hors ligne. Voilà. Donc parce que sinon je vois, vous avez tapé 15 minutes d'avance rapide. Je pense que ça vous intéresse pas trop. Donc, la prochaine fois, si je refais un test, un sondage, je verrai si je le fais, parce que si c'est pour avoir que deux personnes sur je sais pas combien qui signent, donc je sais pas ce que veulent les autres, donc moi j'ai fait les deux, voilà, ça je suis tranquille, ou maintenant c'est moi qui prendrai la décision, hein. Donc je verrai bien, donc, oh, attendez, j'ai un truc qui m'agace sur les lunettes, donc j'ai fait... Comment dire, là je vais couper, je vais vous mettre l'avance rapide que j'ai faite du premier quart d'espace et je vous retrouve après pour comment dire, pour vous montrer ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc, voilà, j'ai un truc qui se bat autour de moi, je sais pas ce que c'est. J'ai un squelette. Bon, j'ai des monstres un peu partout. Donc voilà, je vous lance l'avance rapide pour que vous voyez au moins que je me suis amusé à tout faire, donc pour expliquer, ça va durer 5 minutes à peu près, et ça je l'ai fait à peu près en 3 quarts d'heure, donc, ou je sais plus trop, donc j'ai vachement accéléré. Donc voilà. Bon, je vais vous retrouver tout de suite après, pour vous présenter un peu le final en vidéo, donc, pour ceux qui n'ont pas vu les photos qui ont été faites, et on va plus en détail ce que j'ai un peu fait aussi. Bon, je vous retrouve tout de suite après. Thank you.
Et donc me voilà de retour dans l'espace. Et oui, voilà. Bon bah allez. Maintenant, on va vous présenter un peu tout ce qui a été fait. On saute pour éviter de trop. Hop. Alors bon là, ça n'a pas trop changé, hein, comme vous pouvez le voir. Si vous voyez déjà une petite modif que je trouve pas mal, c'est. J'ai cassé un peu les blocs pour faire moins brut sur le côté. Donc on va faire le tour. On va juste mettre un bloc là pour voir qu'on a bien fait le tour, ne vous inquiétez pas. Donc il y a un peu tout ce qui a été fait. L'ajout du bloc de lumière, ne cherche pas pourquoi. C'est peut-être le mode, j'en sais rien. Donc vous voyez tout le petit tour qui a été fait. Voilà. Bon, moi je vais m'attaquer au mur. Hop là, hop là, là. Allez, on fait tout ça. Oui, le petit tour. Et vous voyez que tout a été fait. On voit bien la Terre quand même à travers. Sympa. Donc hop. Voilà, ça. On casse. Donc on a fait le tour. Donc, ah oui. Maintenant, on va faire un petit tour à l'extérieur. Bon, le dos, on va vous montrer vite fait, hein, de toute façon, ce que ça donne. Oula. Je suis près d'un astéroïde. Il faudra que je le pète en ligne celui-là. Et je vais baisser un peu ma lumière. Moi, je vois. Ah, ça m'a tendance un peu à me noir, un peu voir moins bien l'écran. Donc voilà, ça. Bah, attends, je recentre. Hein, vous voyez bien un peu ce que donne la plateforme. Alors, toujours un du coup de lumière. C'est pas grave. Donc ça, ce bloc-là, il faudra que je le supprime. Peut-être que je le décale. Je vais voir, parce que sinon ça va faire un truc. Ah, bah, je peux peut-être le laisser. Ça va faire. Une lumière aux quatre extrémités, est-ce que je les ai au fait? Ce bloc-là au fait. Je vais peut-être modifier ça, tiens, ça pourrait donner pas mal. Pour l'anneau. Ah, moi, de toute façon. Ah, bah si, de toute façon, je le retrouverai sûrement après. Donc, c'est pas trop grave. Ah merde, je suis un peu trop. Bah, voilà. Juste modifier ça, j'en ai pas pour long. On se dépêche. On vole. Dans l'espace, c'est mieux. Merde. Ouh, pardon. Désolé. Toi, tu reviens. Là, j'ai le faute de lumière. Hein. Bien qu'on soit dans l'espace. Que ça soit éclairé, quand même. Voilà. Bon, je pense que le tour est fait. Bon, la lumière est arbitrée là. C'est pas grave. Donc, bah, alors, voilà, à cet endroit-là, c'est bon. Je vais pouvoir faire mon petit truc. Ah non, j'ai pas fini de vous montrer un peu tout ce que ça donnait. Donc vous avez vu en haut. Maintenant, on va voir en dessous ce que donne la plateforme. Là aussi, j'ai fait, bah, arrondi. On va reculer pour le voir un peu plus loin. Ça, c'est juste le sol. Voilà. Essayez de ne pas tomber quand même parce que je sais pas jusqu'à où on va en bas. Hein. Donc là, vous voyez un peu mieux quand même ce que ça donne d'en dessous. Pas mal avec tous les petits arrondis. Bah, les arrondis, ça fait un peu moins, je veux dire, brut, quoi. Ça passe, j'aurais pu mettre une autre, j'aurais les demi-dalles, mais le problème des demi-dalles, c'est que, bah, elles sont pas tout à fait pareilles que, je crois que c'est de la pierre que j'ai pris, attendez, je vais regarder. C'est de la roche, oui. C'est pas de texture portable, donc, un ou deux, je sais plus. Donc voilà, hop, on va commencer à faire ce que j'avais prévu. Commencer les murs, je vais vous faire un premier en avance normale que je regarde un peu sur le plan. Voilà, de toute façon, je suis bête, je sais même pas pourquoi je regarde comme ça, puisque de toute façon, je le vois bien. Prends tout ça. Wow! Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai oublié que ça. Ça saute à une force, pas possible! C'est trop délire ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça me fait triper ce truc. Ah, comment il saute. C'est vrai que c'est bien foutu. Je crois que je regarde au fait s'il y a une mise à jour. Maintenant, bah je vais tomber à la 1.3 maintenant. Faire une mise à jour de. Du mode. C'est pour l'instant, je suis toujours à 1.2.5. Moi, bah, sur ma partie perso, ben, j'ai fait, hein, donc là, c'est le premier
Mur, donc voilà, donc on va. J'ai cru voir passer quelque chose. Mur là. Donc on verra un peu pour le reste ce que ça va donner. Parce que je regarde un peu tout, si je me trompe pas. La baie vitrée va descendre partout par là. Donc pour l'instant, on va déjà s'occuper de cette partie-là. On verra. Bon bah je vais vous couper là. Et bah je vous retrouve, je vais faire le reste en avance rapide et ben on se retrouve après, hein. Bon allez, à tout de suite. Et voilà, donc la petite avance rapide est faite. Donc voilà, il faudra peut-être plus la faire en vitesse normale vu le temps que j'ai mis. Mais c'est pas grave, on va accélérer. Donc bah maintenant on va attaquer le centre que je me réfléchis. Putain, il y a vachement haut en plus ce pépère. Sacré boulot. Alors par rapport à la porte, parce que attendez, j'ai la feuille derrière moi, que je sois que je compte combien il y a de plus au-dessus de la porte. Alors, la porte de verre. Attendez que j'aille voir cette plus près. Elle arrive juste là. Parce que le mur intérieur est vachement plus grand. Plutôt peut-être que je pourrais faire des fenêtres plus tard. Bon, je verrai. Donc voilà. J'ai un mur à faire. Donc déjà que je calcule combien il faut. Alors. Putain, j'ai du mal. Ah. 1, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7 de haut. Donc on va faire, hein, de toute façon. Hop. Oula, oula, oula. Je me plante. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le mur est déjà pas mal lourd. On va dire, ça va roxer du poney. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ça fait un big truc. On a vraiment intérêt de faire des vitres. On verra plus tard. Ah, peut-être, ouais, c'est pas bête. Je viens de réfléchir à un truc. Voilà. On va faire aussi des grandes baies vitrées là. On aura là, mais j'en aurai à l'intérieur aussi. Eh ouais. Bon, je vais vous faire ces trois parties-là, peut-être. Hop. Bon. Et comment on fait? On va faire celle-là aussi. Hop, hop. Bon, il y aura ces quatre parties-là. Donc, je vais vous faire le. Quand même. La partie, un quart de tout ça. En live, ce sera mieux, même si ça peut être un peu long, je m'en excuse d'avance, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Déjà, je vais peut-être mettre quelques hop pour éclairer un peu tout ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ah, mais voilà. Elle va être cassée, mais j'arrive pas à reposer. Donc voilà, là, on va déjà un peu. Bon, malheureusement, on va péter un peu tout ça. Alors, ça commence là. Hop, hop. Oups. J'ai pété le truc un peu fort. Ou peut-être que de 1 plutôt, ça pourrait être mieux 1. Ça suffira.
Voilà. On va faire la grande grande baie vitrée. Voilà. Désolé pour ça. Ouais, que j'en mette un peu de lumière. Je vais peut-être mettre une ligne de lumière, tiens. Vous voyez un peu l'intérieur aussi. Désolé. Je suis en train de réfléchir un peu. Oui, je sais, ça m'arrive. voilà, bon, attends, je vais en mettre un milieu là. Je vais en mettre un là. Et un là. Voilà. Bon, maintenant, c'est le haut qui m'agace un peu. Faut que je le fasse aussi. Ça va faire long de faire tout un pont. Bon, je vais faire comme ça. Vous voyez, je modifie même encore en plein machin. Voilà, bah là il faut mon faux. On va calculer 1, 2. Ah putain. 1, 2, 3, 4. On calcule. 1, 2, 3, 4. Après, j'en ai. On va remonter. Un tout seul. Ça, je le casse. Après. Ah mais merde! Désolé, je m'agace un peu. Hop là là, 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 là. Voilà. Après, il m'en faut un. Après, il m'en faut deux. Hop, il m'en faut un. Je ne voyais pas si grand le truc. Oh, c'est pas grave. Hein. Ça va roxer du poney, comme on dit. Hop là. Je me concentre un peu quand même. Je n'ai pas envie de failer. Faire un fail. Ce serait bien quand même. Hop. Oh. Allez. Un comme ça, ça on casse. Et là, j'arrive jusqu'à 1, 2, 3. Là, on remonte là. Normalement, on arrive pile poil. Voilà. Bon, déjà, je vais mettre aussi ça, comme j'ai mis en bas, pareil. Ça va éclaircir un peu. Est-ce que j'en ai pour mis en coin? Ah, mais il y a dans le mur. Après, j'en ai un là. J'en ai un au milieu. Là. Hop, voilà, c'est bon. Voir comment ça donne de loin. Mais non, je veux pas aller à gauche. Ah, ça va faire grand quand même. Mais c'est pas grave. C'est l'anneau central. Mais franchement, je le voyais plus grand quand même sur mon dessin que j'ai fait. Ah, mais l'extérieur. Donc ça va faire comme une grande baie vitrée. C'est ça qu'on fera qu'après que je. Bon, bah allez. Vous voyez un peu maintenant ce que je veux faire, donc bah je vais, si possible, vous faire tout ça en avance rapide, faire tout le tour avec la grande baie vitrée. Et je vous retrouve bah, après. Hein. Bon bah voilà, à tout de suite. Thank you.
Et voilà, de retour. Donc, bah pour un, aïe, je me cognais. Donc, pour info, ça va être la dernière partie de l'épisode parce que je viens juste de remarquer que je me suis planté. Dans l'épisode là, vous n'aurez pas le son du jeu. De toute façon, pour ce qu'il y a comme son, par les blocs qui tombent et moi qui parle. Donc, voilà, un peu l'intérieur de là-bas, l'anneau central. Je sais que ça fait un peu haut, mais vous verrez par la suite, de toute façon ça va évoluer. Et vous l'aurez dans pas trop longtemps, donc je veux juste savoir un peu ce que vous en pensez. Déjà, moi, je trouve ça pas trop mal. Bon, c'est peut-être un peu haut là, peut-être que faudrait que j'essaye de lui. Je vais essayer avec vous de lui faire un petit truc. Ça va pas être mal si je fais ça là. Regardez, tiens, ouais, pas bête. Faire un truc. Ça donne une touche un petit peu plus sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites pourquoi je mets des blocs et pas des fenêtres, c'est que bah, je mettrai peut-être des fenêtres plus tard, mais là comme c'est plutôt un accès à l'extérieur de l'espace. Faire en sorte d'avoir quelque chose de plus résistant, voilà, juste pour faire un peu plus réaliste. Voilà, hop. Voilà. Tam, comme un con, j'oublie le son. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je parle la presque la plupart du temps, donc le son, ça va pas vous gêner. L'important, c'est que moi je parle. De toute façon, dans cet espace-là, il n'y a même pas de musique. Alors. Pour le prochain épisode, vous inquiétez pas. Je vais le faire. Je remettrai. Hein, vous inquiétez pas. Jusque-là, hop. Fini ça. Finir tout ça. Hop. Plutôt sympa. Ça, le mur comme ça, tout seul, ça faisait un peu tristouné, quoi. Bon, à l'extérieur, je verrai peut-être le faire aussi, mais un prochain épisode. Voilà, j'ai fait le tour, c'est assez rapide. Après, on va faire une petite vue éloignée et une vue intérieure. L'intérieur. Bon, ça, je verrai mieux quand tout sera fini, parce que là, ça fait un peu, ça fait pas trop mal, on voit bien l'intérieur. Bon, après, on pourra faire des rajouts, de toute façon, je veux dire, par là, il y aura plein de trucs, j'aurai plein de trucs à dégommer. Bon, si je peux y foutre de la TNT, au cas où. Les dégommer à la TNT, ouais, j'ai pas pensé à ça. Voilà, ça c'est bon. Donc, maintenant, une petite vue éloignée avant de vous quitter. Donc sur ce fin d'épisode parce que il va peut-être un peu plus court, on sait rien, mais l'autre arrivera bientôt. Si j'avais pas ce putain d'astéroïde sur le chemin, voilà qu'on voit bien l'intérieur. Donc vous dire bah là il y aura un toit. Pour vous voir au prochain, de toute façon, on va laisser un peu. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Moi je me fais un petit screen pour moi, tiens, et bon, je le ferai après. Quand j'aurai déconnecté. Oh non, pas maintenant, je vais attendre d'avoir fini l'anneau, oui. Donc voilà. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé cet épisode-là. Moi je sais pas quand c'est que je vais tourner l'autre, peut-être ce soir ou plus tard, j'en sais rien. Donc comme là j'ai vu que j'ai pas le son, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire en sorte de bien vous faire les avances rapides et parce qu'après j'ai encore pas mal de travail, donc je pense que je dois avoir déjà pas mal de temps dans l'épisode. Donc bah je vous remercie, moi bah je pense peut-être l'attaquer demain, l'autre épisode, hein. J'ai envie d'en tourner plein là cette semaine, donc plein de trucs, donc voilà. Bah je vous remercie, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao!